Alors, je voulais vous parler un petit peu du programme de ce soir. J'ai choisi de jouer des pièces des compositeurs Beethoven et Schumann. Schumann est un de mes compositeurs préférés, donc j'essaie toujours de jouer une pièce ou deux de lui dans mes récitals solo. Et puis j'ai décidé de commencer avec une sonate de Beethoven, la sonate opus 31 numéro 2 de Beethoven, surnommée Tempête. Et c'est une de mes pièces préférées, une de mes sonates de Beethoven préférées, une des sonates de Beethoven les plus connues. Je pense que c'est une pièce assez importante aux côtés de l'œuvre de Beethoven pour piano parce que c'est un peu un point tournant. C'est un peu un pont entre la période plus classique et la période plus romantique de Beethoven. Puis ça s'entend dans ses explorations sonores avec la pédale, les différents registres qu'il utilise, puis juste les explorations au début, ça commence, c'est un accord qui est roulé, puis c'est un peu mystérieux, puis après ça, il y a quelque chose de plus impétueux qui rentre. Donc, je pense que c'est une pièce importante pour le piano. C'est en trois mouvements. Le premier mouvement alterne entre un largo et un mouvement plus rapide. Le deuxième mouvement est un mouvement lent, qui est assez long, très lyrique, magnifique. Et le dernier mouvement est un peu... il n'arrête jamais. C'est un peu un mouvement perpétuel. Et puis, c'est assez dramatique. Puis, ça se termine très calmement, comme si rien ne s'était passé. Donc, je pense que c'est une belle pièce pour commencer. Et ensuite, je vais jouer l'Arabesque de Schumann, qui est une toute petite pièce, toute petite, 7 minutes, de Schumann, qui est un peu comme un bonbon, un bijou. C'est magnifique. Et puis, je l'ai redécouverte il n'y a pas trop longtemps. Et je pense que c'est un morceau assez calme et tendre. Puis comme on disait, c'est un espace qui est très intime, donc je pensais que ça serait une belle façon de clore la journée. Alors merci beaucoup.